Alors, vous connaissez peut-être le service à la russe et le thé à la russe et l'œuf à la russe. Je ne sais pas si là, le rôti à la russe, mais est-ce que vous connaissez la soustraction à la russe et la multiplication à la russe en binaire en particulier. Probablement pas. Alors, on va faire ça ensemble. Soustraction à la russe. Et puis multiplication à la russe. C'est intéressant parce que la soustraction, bon, elle est un peu. Donc on peut la faire en décimale ou en binaire. Ce n'est pas le binaire qui va lui apporter grand-chose. Mais la multiplication à la russe, le faire en binaire, ça nous permet de comprendre pourquoi elle marche en décimale. Mais bon, dans les deux cas, on peut la faire en décimale ou en binaire. Ce qui est la vraie soustraction à la russe, c'est la soustraction en décimale. Donc ça consiste en quoi? Donc, alors, je ne sais pas si c'est enseigné hein, du tout, et je ne sais pas quand c'était enseigné. Mais l'idée, c'est que. Si je... Si je prends un peu de place pour faire les choses. Si on veut faire une soustraction qui nous paraît un petit peu compliquée, par exemple 2020 moins. Oui. 2021 moins 1315, par exemple. Un truc un peu compliqué. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de ramener à quelque chose d'assez simple. Par exemple, ici, si on avait rajouté 5 à 2015, enfin à 1315, pardon, ça ferait 1320, c'est plus facile parce qu'il y a un 0 ici à soustraire, c'est plus facile. Bon, mais pour rajouter 5 ici, il faut rajouter 5 ici. Donc je rajoute 5 ici. Donc le 2021 moins 1315, ça fait comme si on a fait 2026. Alors j'ai fait juste une addition de 5, ça c'est plus facile à faire hein, que la soustraction de deux nombres par quatre chiffres. Donc 1320. Et puis je peux continuer ce que j'ai fait là pour le premier chiffre. Je peux le faire pour le deuxième chiffre. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Donc si j'avais enlevé 2 ici, enfin 20 ici, ce serait plus simple parce que ça me donnera 0. Donc il faut que j'enlève 20 de ce côté-là, ce qui est plus simple d'enlever 20 parce que voilà, 2000. Voilà, en plus, j'ai pris un exemple tout à fait au hasard, mais il tombe bien. Moins 1300. Donc, si j'enlève 20 d'un côté et que j'enlève 20 de l'autre, je vais avoir la même soustraction. Bon, ben là, pareil, 300. Alors, si j'avais enlevé 300 ici ou ajouté 700, c'est un peu pareil. Alors là, tout à l'heure, j'ai enlevé 200 parce que ça me semblait plus simple. Là, si j'enlève 300, il va falloir que je fasse des choses un peu compliquées. Je vais peut-être rajouter 700 ici. Donc, ça me fait. Donc, si j'ajoute 700 ici, il faut que je rajoute 700 ici. Donc, 2706 moins. Alors, plus 700, ça fait 2000. Et à la fin, eh ben, j'ai une soustraction. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Hein. Enfin, ou si j'enlève le 2 ici, ben, je vais avoir mon résultat. Je vais avoir 0 d'un côté. Enfin, si, c'est quelque part comme si j'allais plus loin, mais moins 0, je ne vais pas le noter. Donc, ben, il me reste 706. Donc, 2706 moins 2000, ça, c'est super facile. Ça fait 706. Donc, du coup, j'ai fait petit à petit quelques petites soustractions ou additions, d'ailleurs, simples. Et probablement plus simple parce que j'ai peut-être pu m'arranger pour regarder ce qui se faisait bien comme addition ou soustraction et je suis arrivé à la fin à 706. Alors en binaire, alors j'espère que c'est juste, hein, je vais vérifier avec vous dans un coin que peut-être la calculatrice standard ça devrait suffire, que 2021, quant à moi si je me suis trompé, j'en ferai la vidéo. Hein. Alors, 2021, 2021, 21, moins 1315, est-ce que ça marche? Ça donne bien effectivement 706. Donc la méthode, elle n'est pas validée par un exemple, ni ces calculs-là, si ces calculs-là sont validés, non pas par un exemple, mais par le calcul de la calculatrice. Bon, en binaire, qu'est-ce que ça aurait donné? Alors, ça aurait donné quelque chose de moins intéressant, mais voilà, si j'ai un nombre, alors je ne sais pas ce que ça vaut ce nombre-là, moins un autre nombre. Alors, je peux aussi faire pareil, c'est-à-dire me dire, ben, si j'avais un 1 ici, enfin un 0 ici, ce serait plus facile à soustraire. Donc, alors soit je peux enlever 1, du coup, il faudra que j'enlève 1 ici, soit je rajoute un, rajouter en général, c'est plus facile. Alors, c'est
En binaire, hein, c'est toujours plus facile qu'en décimal parce qu'il y a deux possibilités seulement, 0 ou 1. Là, il y avait comme addition, je veux dire, ou soustraction. Là, il fallait additionner, soustraire 5, puis 2, puis 7. Enfin, donc là, c'est toujours des additions et des soustractions de 1 ou de... Bon, donc ça, il y a moins à apprendre par cœur quelque part. Donc, je rajoute 1 ici. Donc, pour que ça marche, il faut que je rajoute 1 ici aussi. Donc, ça me fait du coup 1, 0, 1. Il va y avoir une cascade de retenue. Donc, je sais où va mettre le 1 qui va rester. Moi, donc là, j'ai rajouté 1. Donc, 1, 1, 1, 0. Et je continue. Là, si je veux ajouter. Donc, je n'ai pas choisi le meilleur truc. Il va falloir que je fasse beaucoup de boulot. Donc, si ah ben non, ceci dit, ça va aller vite. Donc, si je rajoute 1 au deuxième chiffre. Je vais avoir des zéros. Donc, typiquement, je vais avoir en fait avec toutes les bascules de, donc, si je me trompe pas, de retenue qui vont cascader les unes avec les autres, ça me donnait ce nombre-là. Et donc, il faut que j'ajoute 1 au deuxième nombre. Donc, 1, 0, 1, deuxième chiffre, le chiffre des dizaines. Et donc, à la fin, ben, j'ai à faire la soustraction ou l'addition. Dans la soustraction, là, il faut que je fasse la soustraction. Alors, 1, 2, 3, 4, donc j'en garde 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1, 1, parce que c'est les 4 premiers zéros, moins, donc 2, enfin 10, moins 1, bah, il me restera 1, et donc j'obtiens comme résultat. À la fin, il faut peut-être que je fasse quand même une soustraction, tout comme là, en fait, il fallait aussi que je fasse quelque part une soustraction de 2000, et peut-être que c'était un gros nombre, mais c'était seulement un chiffre à enlever sur un autre nombre, donc il faut bien savoir où on va enlever, parce que les autres chiffres là qui sont à des zéros à enlever qui ne servent à rien, alors on pourrait la poser sur le côté là, la soustraction. Et j'espère avoir obtenu le bon résultat. Alors pareil, je peux essayer de vérifier avec la calculatrice. Alors la calculatrice, cette fois je ne vais pas prendre la calculatrice standard, mais la calculatrice dite du programmeur. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est une calculatrice binaire. Donc je la prends en binaire. Et alors. Les nombres que j'ai pris, est-ce que je peux mettre quelque part ici? Donc 1, 0, 1, 0, 1, 1, moins 1, 1, 1, 0, 1, égale 1, 1, 1, 0. Ah là, est-ce que je me serais trompé d'un 1 quelque part? Probablement, parce que j'ai pas le bon résultat. 1, 0, 1. Bon, moi je me suis trompé quelque part, je vais corriger, faire peut-être une ellipse ou retrouver rapidement. Donc là j'ai rajouté 1, donc ça me faisait 10 ici, et 1, ça me faisait 1. 1, 0, 1, 1, voilà. Là j'ai rajouté 1 en deuxième chiffre, donc ça me fait 1, 2, 3, 4. Donc c'est là où effectivement rajoute 1, 0, là. Et du coup, ça ne fait pas ce nombre-là. Ça fait. Alors, est-ce que j'ai un truc qui fasse simplement. Voilà. 0, 0, 0, 0 et 1. Et donc, du coup, je garde 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Donc, je garde 5 nombres. 1, 1, 1, 1. Et puis, un 0 ici. Puis, j'enlève le 1. Et ce qui me donne. Alors, est-ce que c'est bien ce que me disait la calculatrice? 1, 1, 1, 0. Ben voilà. Donc, l'inconvénient du binaire, comme il y a des inconvénients au binaire, hein, c'est qu'il y a plein, 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 plein de chiffres, et que du coup, ben, si on ne fait pas les choses avec beaucoup d'attention, on perd des chiffres, on en oublie, on en rajoute. Voilà. Bon, mais voilà la soustraction à la russe. Alors, rien à voir, mais il y a aussi une multiplication à la russe. La multiplication à la russe, ça consiste. Ça un petit peu de côté. Quand on a deux nombres, alors est-ce que je vais prendre deux nombres très gros? Allez, 325 multiplié par 295. Deux nombres très gros. Enfin, moi je trouve que c'est. Je sais à peu près que ça va donner de l'ordre donc 300 fois 200 à peu près. Donc. Ça va faire un 6 avec 4 zéros, donc ça va faire 60 000 à peu près, mais bon, peut-être plutôt plus près de 80 000, mais on verra. Donc, comment font les Russes? Alors,
Il trace quelque part un trait entre les deux, voilà, donc deux colonnes. Et puis d'un côté, ils vont multiplier chaque nombre par 2, par 2, par 2, par 2, par 2. Donc 325, on va passer à 650. Et de l'autre côté, divisé par 2. Donc 2 d'un côté fois 2, de l'autre côté, divisé par 2. Donc 295, alors des fois ça tombe pas bien, pas juste, hein. Donc là, ça va donner 100. 87, si on se trompe pas, se méfie, hein, c'est pas 9 divisé par 2, ça donne 4, et puis 15 après, bah, ça va pas très bien. Pardon, oui, je me suis trompé d'ailleurs. Donc, c'est bien ça, 2, ça marche bien, 9, bon, ça donne 4, mais il y a une dizaine, donc 15, et 15, bah, c'est plutôt 7 que 5 divisé par 2 égale 2. Et il y aurait un reste 1 si on avait fait les choses proprement. Donc, multiplié par 2 de l'autre côté, donc ça fait 3300. De ce côté-là, donc 1, ça va faire 0, 14, ça va faire 7, et 7, ça va donner 3. 2600, continue. Et on continue jusqu'à ce que de ce côté-là, ça soit égal à 1. 73, donc ça fait 3, et ça fait 13, ça fait 13, ça fait 6. Et on reste bien sur la même ligne, hein, les deux nombres. Sont en face l'un de l'autre. Donc 2600, ça fait 5200. 36, ça fait 18, ça. Voilà. On continue. Alors, besoin de place encore. 10 409 de ce côté-là. 20 800. J'espère ne me trompe pas. 4 de ce côté-là. 40 000, pardon, 41 600. 2 de ce côté-là, et on arrive à la fin, 83 200 et 1 de ce côté-là. Et là, qu'est-ce que font les Russes? Eh bien, ils rayent les lignes où le nombre ici était pair. Donc, ben, il y en a un certain nombre, heureusement pour moi. Je pourrais même les effacer. Et du coup, il leur reste des lignes impaires. Et en fait, ça ressemble un petit peu à comment on a fait là, trouver un nombre, la représentation en binaire. C'est-à-dire qu'en divisant par deux, petit à petit, on avait des 0 et des 1 selon que les choses étaient paires ou impaires. Là, ça aurait été, vu que c'était paires, on aurait mis un 0, là un 0, là un 0, là un 0. Et là où c'était impair, on mettait un 1. Et du coup, on obtient quelque part ici la représentation en binaire du nombre. Et donc, c'est une fois 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois 4, c'est les puissances de 2, hein, qui arrivent ici. 1, 2, 4, 8, 16. Donc 1 fois 32, 1 fois, ensuite, donc 64, on ne le fait pas, 128, on ne le fait pas, et 1 fois 256. Donc pour arriver à la décomposition de 285, c'est 256 plus 32. Plus 4, plus 2, plus 1, j'espère, hein, si je ne me suis pas trompé, 88, 90, 95, ouais, ça va. Et de l'autre côté, ben, en fait, on a fait les fois 2, ben, du coup, ça c'était le nombre. Hein. Là, c'était fois 2, fois 4, fois 8, fois 16, fois 32, fois 64, fois 128, fois 256. Et donc, si on veut multiplier ce nombre-là par ce nombre-là, ben, si on l'avait décomposé comme étant la somme de 1 plus. Donc en rayant jusqu'au bout. 1 plus 2 plus 4 fois. Donc si on veut multiplier 295, c'est comme si on multiplie, qu'on ajoutait une fois 325, parce qu'il y a une fois 1 dans 295, et une fois 2, donc une fois 650, puis une fois 4 fois 325, donc 1300. C'est là, j'espère que je ne peux pas tromper dans les multiplications par 2, parce que sinon ça ne marchera pas. Je vais vérifier en même temps rapidement. 6, 3, 5, 2, 4,
8, 16 et 8032, voilà. Du coup, en ajoutant les nombres qui restent, on fait la multiplication des puissances de 2. La puissance de 2, on la retrouve là. Multiplié par ce nombre-là, ça donne ce qui est dans cette colonne-là. Et alors, donc ça fait 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 5, 5. Ce qui tombe bien parce que 5, si on avait fait la multiplication, 5 fois 5, ça aurait pas vraiment effectivement donné un 0. 5 plus 2, 7. Donc, on se méfie, hein, de ne prendre que les nombres qui sont pareils. 3 plus 6, 9 et 3, 12. 12 et 4, 16 et 2, 18. La colonne de 1. Pardon, la colonne de 1, elle n'est pas au bon endroit. La colonne de 1 ici. 1 plus 1, 3, 12. 13, 14, 18. Donc 1 plus 1, 2. 3, 5. Et puis la 8 et 1, 9. Et donc on obtient, j'espère, que 325 fois 295. Alors, c'est la calculatrice que je cherche. HD. Pardon. Je l'ai rangée dans un coin. Alors, cette fois, la calculatrice standard. 325 fois 295. Ça donne 95 875. C'est bien ce qu'on veut. Alors, en binaire, on peut faire aussi un exemple. Ça risque d'être moins intéressant. Mais en binaire, ça donnerait la chose suivante. Ne pas prendre un trop gros exemple. Mais quand même, un exemple un peu. Voilà. Donc, multiplié par 2, bah, ça donnerait. Multiplié par 2, c'est pas dur. Hein, on décale d'un côté et on rajoute un 0. Divisé par 2, bah, c'est pareil. On décale d'un côté et on enlève un chiffre. Donc, c'est 1, 1, 0. Donc, multiplié par 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Alors, j'essaie d'être un peu aligné. Divisé par 2. Reste 1, 1, multiplié par 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, divisé par 2, 1. Et donc là, pareil, ben on va rayer les lignes où les nombres sont pairs, on voit si c'est pair avec le 0 qui est là, et après, ben, il faut additionner les résultats. Et bon, ben, ça donne 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça fait 3, donc 1. Je retiens 1, 1, 1, 2, ça fait 0, donc je retiens 1, 1, 1, 0, je retiens 1, 1, 0, et je retiens 1. Et donc ça fait ce nombre-là, qui j'espère est le bon. Est-ce que j'ai encore la calculette? Non, j'ai encore fermé. Donc je reprends cette fois la calculette en programmeur. On n'y gagne pas énormément, j'ai l'impression, en binaire, parce que. La multiplication qui est posée là, finalement, c'est celle qu'on aurait posée assez naturellement. Parce que les décalages, les fois 2, là, bon, on ne comporte pas grand-chose. De l'autre côté, j'espère qu'on y gagne quand même un petit peu. Alors, pour vérifier si ça marche bien, donc, en binaire, j'ai dit 1, 0, 1, 1, multiplié par 1, 1, 0, 1. Et dans cette 1, 3, 0 et 80. Voilà, c'est juste. Voilà. Ce qui était intéressant, j'espère, à constater dans cette multiplication à la russe, c'est qu'en fait, on a en décimale, on repose sur la représentation en binaire des nombres pour dire ben, voilà, 295 fois 325, 295. Ça s'écrit d'après la décomposition binaire 1 plus 2 plus 4 plus 32 plus 256. Et donc on va faire 325 fois
365, pardon, et fois... Non, c'est 325. Pourquoi j'ai écrit 365? Fois 295. Eh bien, c'est comme si on avait fait 325 fois 1, 325, plus 2 fois, donc c'est ce qu'on aurait trouvé là-bas, 2 fois 325, plus 4 fois 325, donc c'est les nombres qu'on a calculés au fur et à mesure, là, plus 32 fois 325, plus 256 fois, alors, move un petit peu de place, pardon. 256 fois 325. Et donc, c'est les nombres qu'on a écrits ici, là, là et là, avec juste des multiplications par deux. Donc, les divisions par deux et multiplications par deux, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire que des multiplications par 9, par 5, par 2, par 3, enfin, sauf la fois 2, pardon. Donc, on y gagne en facilité de petites opérations, c'est fois 2 ou divisé par 2. Et puis après, par contre, il faut faire une addition. Là, par contre, l'addition, elle est toujours un peu délicate, mais je pense que elle est. Donc, on a une addition de 1, 2, 3, 4 termes. Par rapport à. On aurait fait en décimale une addition de 3 termes. Mais donc, cette addition aurait été dure aussi. Hein. Les deux additions sont un peu dures. Mais l'addition de 3 termes aurait été obtenue après des multiplications par 2, par 9 et par 5. Celle par 9 et par 5 aurait été plus coûteuse à faire que celles qui ont été faites par 2. Ouais. En tout cas, cette méthode de multiplication à la russe fonctionne et repose sur du binaire. Voilà pour aujourd'hui, petite vidéo.